Bon là, ce camp là de farming pour le métal, là c'est plus possible, c'est pas viable. On va se le modifier parce qu'on n'a pas de, on a pas de charbon, on n'a rien et on n'a pas de pales qui farm en plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jarter du monde. On va jarter du monde d'ici pour faire un autre camp ailleurs. F, gestionnaire de boîte de pales, les pales sur le camp, on va mettre tous les pales ailleurs. Dernière boîte. Voilà. Bon allez, on est sur la nouvelle zone. C'est là qu'on va se faire notre base parce que là on a de quoi faire. On a du charbon, on a déjà 6 blocs de charbon, voire 7. 2, 4, soit 6 blocs de charbon et on a 8 blocs de métal. Donc c'est là qu'on va se faire la base. On va être plutôt pas mal. On a un Monsanto, on va déjà le fight. On a déjà le fight histoire de se mettre bien. On va prendre notre Bushy. Et on va fight notre ami Mosanda là pour libérer le camp. Est-ce qu'il va rentrer là? Non, il veut pas. Mais il est mort. Voilà, au moins il n'y a pas à négocier. Bushy aurait été plus efficace que prévu. Je pensais être sur les bonnes sphères. Et c'est mort. Et c'est mort. Il nous l'a déjà tué. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici notre nouveau camp. On va se faire un nouveau, une nouvelle boîte à pales quelque part ici. Voilà. On va se la mettre précisément là. Et ça va nous permettre de pouvoir profiter d'un nouveau camp pour farmer au max le métal, le charbon et tout ce qu'il y a avec. Est-ce que ça a bien pris tout ce qu'il y avait dans la zone? Est-ce que tous les blocs de minerais sont bien dedans? Là, on est OK. Je pense que là-bas aussi. On devrait avoir toute la zone en minerai qui est prise. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça nous prend toute la zone. Comme ça, on va pouvoir farmer au max. Et espérer avoir de quoi faire max de métal et trucs comme ça. On est à peu près bien. En termes de métal, en termes de tout ça, on en est où là? En gros, 44 charbon. 247 métal, 246 charbon. Je pense que c'est plutôt sympa, hein. C'est plutôt sympa. Ok, moi ça me va. Il y a quelques-uns qu'on n'a pas fait. Là, on va laisser faire tous les boss qu'on n'a pas fait. Ah, mais j'ai pris de la giga, mais c'est pas ce que je voulais. Capturer comme ça nous fera les taux de capture. Voilà. S'il rentre pas, je comprends pas là. Alors l'attaque qui pop après, je suis pas d'accord. On suit pas, c'est good. Allez, c'est parti pour broncher. Il a pris bien cher. Ok, si c'est plus après ma monture qu'il y en a, c'est après moi. Allez, normalement broncher, c'est good. Bronchéri dans la boîte. Et Anubis, fais un petit peu de dégâts, fais un petit peu d'effort, touche-le s'il te plaît. Ouais, ils se regardent, ils sont contents, ils sont copains. Hein.
On se fait chier à le fight parce qu'on lui envoie juste la sphère. Ah, vas-y, on lui envoie juste la sphère, lui. Ah non, il veut pas. Bon, bah tiens, avec Faleris, y a aucune... y a aucun problème. First try, one shot, on n'en parle plus. Ok, il est là, on va prendre le Bushy, tiens. Allez, lui, ça devrait le faire. Y'a aucune raison. On a peut-être même moyen de le capturer. Ah, on l'a pas touché. Ah, il veut pas pour l'instant. On va changer de pal parce que il est en train de détruire notre Bushy. Et il veut venir au corps à corps, hein, il veut nous électrocuter. Hein. On a repéré. Hein. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que ça rentre? On a 30% de chance. Allez, c'est la bonne. Allez, in the box pour Unibolt. On est bon. Ah, tu nous as fait galérer toi, hein. On n'a pas réussi à te trouver, mon grand. C'est bon cette fois. Bronchiria quoi. On a galéré à te trouver dans ta caverne. Alors ça, j'ai un mauvais souvenir de... Non, je t'ai pas touché là. Je t'ai pas touché, oh. C'est quoi le délire? Allez, bon chéri, de nouveau. On va t'attaquer et on va te capturer, mon grand. Laisse-toi faire. Je t'ai joué la tête là. Non mais c'est bon, t'es pas obligé d'esquiver non plus. Est-ce qu'on est bon pour la capture? Enfin, on doit être pas mal. 30% de capture. Toujours 30%. Et voilà. Voilà le bronchiria quoi, pyromane. Ok, un Pokémon. Un pal aquatique qui est pyromane. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Bronchiria quoi, c'était le first en plus, on l'avait pas du tout. Première capture. Donc ça c'est plutôt bien. Et on va enchaîner sur les boss suivants. Histoire de fight le... Fanglop. Allez go. Est-ce qu'il va rentrer? On va rentrer 4S également dans la sphère au cas où. Pas que ça renvoie trop d'attaque, mais normalement on est bon, level 25. Et ouais. 100%. Première fois qu'on le fight, puisqu'on en avait eu en éclosion. Et en capture sauvage. Et maintenant on est ok. C'est fait en mode boss aussi. Allez, on attaque à nouveau. On attaque à nouveau. On va prendre quoi comme comme pal contre lui? Alors lui je l'ai encore jamais croisé. Je crois pas. Quoique peut-être dans le désert. Mais lui, ça va être dans tous les cas la première fois qu'on le fight. Oh mon grand, c'est pas que je t'aime pas, mais...
T'as un laser qui fait toute la map quoi. Qui fait tout le donjon. Mais non mais à chaque fois. Ah là au moins, si je le loupe, je comprends pas. Mais non. Allez, on va tenter la capture. On va rentrer Boshi parce que moi je suis le pro de la mort de boss. On va éviter ça, nickel. En plus, première capture en plus, on ne l'avait pas. Et ils ont quasiment tous pyromane, hein. Tous les boss qu'on est en train de faire, ils sont en train de se taper. Tous pyromane, ok. Ok, ok, pas de problème. On aimerait bien avoir d'autres stats un peu sur eux. Et du coup, c'est le premier Relaxorus, c'est bien ça. J'en avais juste peut-être vu, mais pas capturé. Allez, à nouveau, un des derniers de la session du jour. On va se faire lui là. On va se faire notre ami Beacon. On ne va pas trop galérer à le faire normalement. Il n'est pas trop level. Allez, dis-moi que tu vas rentrer. Ah, il est trop faible. Tu fais quoi comme sphère? Pourtant, j'ai la bonne sphère. Ah, c'est juste qu'il est encore un peu trop en termes de points de vie. ...1,4% de chance. Ouais quand même, je pensais pas que c'était à ce point là. Je pensais qu'on mettait plus de pourcentage de chance de capture. Ok, 37%, là on est bon. Allez, in the box. Première capture du beacon en... en fight, ça c'est plutôt cool. Allez, retour au point de départ, c'est là que tout a commencé pour nous. C'est là que l'aventure a commencé pour nous. On va se faire notre ami Mamorest. Le premier en boss. On avait croisé tout au début, qu'on n'avait jamais pu fight. Et ça va être l'occasion de pouvoir se le faire. Alors, j'ai sauté en plein dans son attaque, GG. Vous pouvez passer notre ami Boshi. J'aimerais bien que tu me le fight, mon ami Boshi. Ah, j'avais pas prévu de rester coincé là en dessous. C'était pas tout à fait ce qui était prévu, mon grand. Allez, il va venir nous recharger, c'est sûr. Je laisserai pas faire, mon grand. Tu peux courir, tu peux courir. Alors, je suis bloqué. Je suis bloqué, c'est bon. Je ne suis plus bloqué. Allez, Mamorest, tu vas bientôt être dans la boîte, même si je suis déjà capturé. Est-ce qu'on a une chance déjà de le capturer là? 1,76, ok, faut le baisser encore un peu. On est monté à 1,98. J'ai Boshi, il est pas pote avec moi parce qu'il le ramène vers moi. Ouais mais il nous met des dégâts quand même. C'est pas semblant le même reste en fight hein. Allez là on a des pourcents de chance, 9%. Allez hop, dans la boîte! Première capture en raid, effectivement, puisque j'avais pas. J'avais pas encore fight le Mamorest, on en avait quelques-uns, puisqu'ils sont dans la base. Mais ça fait un boss de plus, un boss de plus.